Aujourd'hui, je vous retrouve tranquillement et ma foi, on va se faire une petite vidéo cinéma. Je suis en train de me faire à manger en même temps, faut pas m'en vouloir et je sais pas si le bruit de mon ventilo s'entend. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de films pour ados, vu que j'en ai regardé, mais alors à la pelle quand j'étais plus jeune et que j'aime toujours ce genre aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous partager mes préférés. Au départ, je voulais vous faire un top 10, mais force est de constater que les vrais films pour ados que je regarde en boucle depuis des années, ceux qui sont vraiment pour moi des valeurs sûres, pour moi il n'y en a que 6. Juste à savoir que dans ce top, je ne vais pas compter tout ce qui est Teen Movie Disney Channel, parce que bon, il y en a beaucoup trop, et que si je les compte dans mon top, forcément, il n'y aura que de ça quasiment. Donc voilà, là n'est pas le but. J'ai déjà parlé des films Disney où je compte en parler plus tard, donc je préfère vous parler de films pour ados qui ne sont pas Disney. Parmi mes teen movies incontournables, du coup, vous allez trouver tout ce qui est adaptation des romans de John Green, à savoir Nos Étoiles Contraires et La Face Cachée de Margot. Nos Étoiles Contraires, je pense que tout le monde le connaît, à force, hein, il a fait fureur en 2014 en sortant, et le bouquin lui-même avait fait fureur aussi en sortant. Tout le monde connaît l'histoire, je pense, du moins la base de l'histoire. Donc je vais pas vous faire un résumé, au pire des cas, allez checker la bande-annonce. Je crois que j'ai vu le film avant et que je me suis acheté le livre juste après l'avoir vu, et ça a été un très beau coup de cœur. Aujourd'hui encore, c'est une de mes romances préférées pour ados. Je trouve que les persos ne sont pas clichés, ils sont très matures pour leur âge, je trouve, tout en restant quand même des ados finalement, et ça c'est un équilibre que je trouve très sympa. Ils ont un vrai approfondissement, et le personnage principal donc qui est Hazel, pour moi elle apporte vraiment quelque chose au film avec sa mentalité, sa manière de voir les choses. Alors oui, il y a des moments tristes et mélodramatiques, mais après je trouve que c'est pas dans l'excès. Je trouve que c'est une héroïne super inspirante de par les valeurs qu'elle fait passer, de par les interrogations également qu'elle peut amener à se poser elle-même. Et Augustus, bah lui c'est pareil, c'est un personnage que je trouve très touchant, très humain, et j'aime beaucoup comment il se comporte avec Hazel. Il est respectueux en fait, tout simplement. C'est un mec respectueux et plutôt mature également. Et voilà, les deux personnages sont attachants, ils vont vivre vraiment une histoire fantastique, je trouve. Ils ont une relation qui pour moi est extrêmement vraisemblable. Alors réaliste, je ne sais pas, c'est quand même un film, voilà, un peu romantique, un peu idéalisé on va dire, mais voilà, je trouve que les sentiments qui dégagent de ce film ne sont pas superficiels. Chaque personnage apporte vraiment quelque chose à cette histoire. Et voilà, c'est touchant, c'est une belle aventure. Alors oui, c'est triste, mais il y a aussi beaucoup de moments drôles. D'ailleurs, c'est drôle parce que Hazel, c'est vraiment des personnages qui me ressemblent plus, je pense, en termes de personnalité. J'ai revu le film l'année dernière et je me rendais compte que, en fait, tous les cheminements de pensée que prenait Hazel, eh ben, je prenais les mêmes, mais avant qu'elle-même les prenne, en fait. Il y a même un moment où je me suis dit une phrase dans ma tête et la réplique d'après, c'est exactement ce qu'Hazel a dit. Du coup, j'avais été grave surprise parce que, bon, j'avais déjà vu le film, mais je m'en rappelais pas, hein, quand même. Mais voilà, du coup, Hazel, franchement, niveau mentalité, je m'y retrouve. Pour moi, c'est un perso qui me ressemble vraiment pas mal. Maintenant, je vais vous parler de La Face Cachée de Margot. Et celui-là, je sais pas si... Je pense qu'en film, je préfère quand même Nos Étoiles Contraires. Mais je sais qu'en livre, La Face Cachée de Margot, c'est mon John Green préféré. Généralement, c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que c'est même peut-être un des moins aimés. Mais pas le dernier, je dirais qu'il est au milieu généralement des classements. Et je sais que beaucoup ne l'aiment pas à cause de la fin, ce que je peux comprendre. Mais après, je trouve que la fin, elle apporte vraiment quelque chose d'inédit. C'est vrai finalement, ça apporte vraiment un message fort et pertinent. Enfin bref. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Quentin, qui est fou amoureux de sa voisine Margot depuis plusieurs années. Et Margot n'a jamais vraiment prêté attention à lui, voilà. Lui, c'est un garçon plutôt introverti, discret. Alors qu'elle, c'est une fille assez exubérante, plutôt populaire, mais pas populaire dans le sens cliché qu'on peut l'entendre, c'est juste que voilà, c'est une fille libre, elle est rigolote, elle est simple, donc beaucoup de gens l'aiment bien. Sauf qu'un jour, Margot vient toquer à la vitre de Quentin et elle l'embarque avec elle dans une aventure nocturne. À partir de là, les deux personnages vont commencer à se rapprocher plus ou moins, sauf que je me demande si c'est pas le lendemain, je me rappelle plus. Margot disparaît, voilà. Je n'en dirai pas plus et c'est ainsi que commence notre aventure. Pour moi, La Face Cachée de Margot, c'est vraiment une magnifique histoire d'amitié avant tout, et c'est vraiment ce que je préfère dans le film en fait. D'ailleurs, en lui-même, le film est un peu un road trip entre amis, et vraiment, c'est hilarant. Je me rappelle qu'en lisant le bouquin, mais je me suis tapé des barres, mais plutôt phénoménales. Alors, le film m'a aussi fait rire, mais un petit peu moins. Quoi qu'il y a une scène, elle me fera toujours mourir de rire tellement je la trouve épique. C'est un moment où les persos sont bourrés, je pense que vous voyez de laquelle je parle, c'est obligé. Ce film, franchement pour moi, c'est onde positive, il met la patate.
Il est mignon, les personnages sont vachement attachants. Comme Nos étoiles contraires, c'est tout en poésie et en petites subtilités philosophiques parfois. Après, Margot, généralement, on l'aime ou pas, c'est un peu les héroïnes féminines atypiques à la John Green. C'est assez propre à l'auteur, ce genre de personnage assez décalé. Et j'avoue que le fait que ce soit Cara Delevingne, je sais pas comment on dit son nom de famille, qui la joue, voilà, ça joue beaucoup. Pour ma part, c'est une actrice que j'aime énormément. Pour moi, ce film, c'est vraiment un film doudou, même si, bon, c'est un peu une comédie dramatique quand même, plus comédie que drama, mais voilà, il y a quelques moments qui sont assez émouvants, quelques petits questionnements, mais après, voilà, c'est pas un film qui a pour but premier, je pense, de toucher jusqu'aux larmes. Et selon notre sensibilité, au final, je pense qu'on peut être quand même pas mal touché par cette histoire. Moi, ça a été mon cas, en tout cas. Mais voilà, pour moi c'est un film qui renvoie des bonnes ondes, qui fait passer un bon moment, qui est distrayant et qui a vraiment une bonne histoire et des bons personnages. Après, on aime ou pas, parce que je sais que pour pas mal de gens, la fin, comme je vous le disais, gâche un peu tout entre guillemets. Pour moi, c'est vrai que sur le coup, tu te dis « what the fuck ?» mais au final, quand tu réfléchis, tu te dis que c'est vrai, que finalement, ça t'apporte beaucoup à réfléchir. Je vous laisserai découvrir parce que vraiment, c'est particulier. Et vous me direz si vous le regardez, si vous, vous l'avez aimé ou pas cette fin, ou du moins, est-ce que vous l'acceptez ou pas. Maintenant, je vais vous parler d'une comédie dramatique qui est très connue. Bon, en fait, tous les films dont je vous parle, normalement, ils sont connus. Peut-être que vous les avez pas vus, parce qu'on peut pas tout avoir vu dans la vie, mais normalement, vous les connaissez au moins de nom, à part peut-être celui d'après. Je pense que vous avez entendu parler de Le Monde de Charlie, notamment parce qu'il y avait Emma Watson et Ezra Miller dedans, et l'acteur principal, oh mince, j'ai oublié son nom, c'est triste, pourtant je l'aime beaucoup, je vous le noterai de toute façon. C'est un film qui m'a énormément marqué, je l'ai vu il y a quoi, il y a 5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un film qui m'a marqué autant par son histoire que ses personnages, notamment le perso principal. Donc là c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Charlie, qui est, je crois, qui doit être en première ou en seconde, enfin bref, on s'en fout, il est au lycée quoi. Et en fait c'est un perso assez mystérieux au début parce que c'est ce qu'on appelle donc un wallflower, c'est une personne très effacée, qui s'intègre pas sans non plus être rejetée par les autres. C'est quelqu'un en fait dont tu te souviens pas, que tu te souviens très très vaguement, tu te plantes tout le temps sur son prénom, tu lui rentres dedans parce que tu l'as pas vu, voilà. Quand il est dans un groupe, limite les gens oublient son existence, ça sent le vécu tout ça, je sais. Tout le monde s'en fout en fait, un petit peu. Et en fait, rien que ça, mais je me suis tellement reconnue dans ce personnage dès le début, ça fait du bien d'avoir un personnage comme ça en héros. Wallflower en français, ça pourrait se traduire un peu par plante verte, voilà, c'est la plante de décoration, clairement. Du coup, le personnage, forcément, il m'a beaucoup parlé. Et en fait, finalement, Charlie va réussir à se faire des copains, mais ce sont des élèves qui sont plus âgés que lui, qui sont en terminale. Et bah voilà, l'histoire, en gros, c'est tourne autour de cette amitié, de cette dernière année de lycée pour ces personnages plus vieux que lui. Et c'est très touchant, voilà, c'est très humain, très sensible, très poétique. Vous allez autant rire que pleurer normalement, voilà. C'est jamais dans l'excès non plus, mais il y a vraiment beaucoup d'émotions quand même dans cette histoire. On se rend compte que Charlie a beau se sentir wallflower, je sais pas quoi dire en français, donc je dis ce mot-là. Finalement, il va finir par compter pour des gens, du moins à s'en rendre compte, et voilà. C'est une tranche de vie adolescente en fait lambda, et qui apporte vraiment des choses intéressantes, je pense, à son spectateur, soit au niveau de la morale, mais également de la psychologie des personnages, ben voilà. Je pense que ce film, c'est une jolie leçon de vie pour ados, et en tant que tel, une petite claque. Pour moi, il est à voir au moins une fois dans sa vie. Le prochain film, je mets un gros warning, parce que c'est un film d'ado qui parle d'ado, mais il faut pas le regarder trop jeune, vraiment. Vraiment pas. Et aussi âme sensible s'abstenir. C'est un film très délicat qui s'appelle 13, et pour le coup là on est dans un film pour ado dramatique, voilà, c'est pas une comédie. La première fois que j'ai vu, j'étais assez jeune, je devais avoir 14 ans, j'étais tombée dessus à la télé, je sais plus. Et ce film, je l'ai jamais oublié, il m'a vraiment vraiment marqué. Après je vais peut-être pas vous en reparler en détail ici, parce que je compte faire une vidéo, un de ces quatre, sur les films pour ados, mais trash, ce que j'appelle les trash teen movies, donc les films pour ados plutôt dramatiques en fait, ceux qui sont... Voilà, il faut s'accrocher pour les regarder quand même, et ça part de l'adolescence, mais de manière assez, voilà, souvent les ados qui se droguent, les trucs comme ça, voilà, j'adore ce genre de film, voilà. Chacun ses petits vices, plus ou moins louches. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Stacy, et au début de l'histoire, elle a 12 ans. Je ne sais plus exactement s'ils viennent d'emménager, si c'est sa première rentrée scolaire, ou si c'est pas sa première, enfin je sais plus. Mais le fait est que voilà, les vacances d'été sont finies et qu'à la rentrée, elle va retourner à l'école. Ce qui est subtil, c'est que Stacy, elle est pile dans cette tranche d'âge où t'es encore un enfant, mais en même temps, tu veux tellement être un adulte
que c'est compliqué, voilà, c'est difficile à vivre pour certains, et certains ne s'en rendent même pas compte sur le coup, ce qu'on appelle la crise d'ado, hein, le début du moins. Et voilà, tout simplement, c'est ce qui va arriver à Stacy. Au début du film, on découvre une jeune fille, voilà, elle a 12 ans, elle a des habits assez enfantins, elle joue encore à la poupée. Et en fait, elle va être à l'âge où elle se rend compte que, comme elle s'habille encore comme un bébé, forcément, elle est regardée un peu bizarrement par certains élèves, enfin voilà, elle est un peu critiquée, mais voilà, c'est pas le sujet principal, on voit ça vraiment vite fait au début. Ensuite elle voit que les garçons ne font pas du tout attention à elle, mais qu'ils se retournent par contre dès qu'ils voient des filles habillées sexy, tout ça, enfin voilà, notamment il y a une bande de 3 filles dont la meneuse s'appelle Evie, qui fait tourner la tête de tous les garçons, mais aussi des filles. Elle est très populaire cette fille tout simplement parce qu'elle est super canon. Et voilà, du coup Stacy va elle aussi être fascinée par Evie. Et elle va essayer à tout prix de devenir son amie, pour le meilleur comme pour le pire, j'ai envie de dire, et surtout pour le pire. En gros, c'est le début de Stacy qui va grandir, qui essaye de se trouver, de se faire remarquer aussi, parce que c'est aussi ça la préadolescence. Et elle va avoir ce cheminement très particulier. C'est vraiment une crise d'adolescence assez... voilà quoi. Et en même temps, on peut pas dire que c'est pas réaliste. C'est vraiment un film qui parle de ce passage délicat, de cette transition de l'enfance à l'adolescence, qui peut être très délicate dans certains cas. Quand j'étais plus jeune, je comprenais beaucoup le personnage de Stacy. Franchement, j'étais pas admirative non plus, parce que son parcours n'est pas forcément des plus admirables. Hein. Même moi, à cet âge-là, je me disais « Ouais, quand même, c'est un petit peu trash pour moi. Hein. » Mais je comprenais par contre qu'elle soit en colère, notamment contre sa mère, qu'elle soit en colère, qu'elle soit frustrée également, qu'elle veuille se libérer, s'émanciper un petit peu. Et je comprenais qu'elle soit autant fascinée par Evie, qui incarne vraiment la liberté, le charisme. D'ailleurs, elle est jouée par Eva Green, alors clairement, niveau charisme, on est wouhou ! Eva Green qui est d'ailleurs la femme de Ian Somerhalder, n'est-ce pas ? Et ouais, cette relation qu'elles vont nouer toutes les deux, c'est tellement spécial. Ça a l'air à la fois faux, mais à la fois vrai parfois. Enfin vraiment, je vous laisserai découvrir si vous voulez le voir. Mais puis on voit également la famille Davy qui se rend compte de son changement, comment il le vit, notamment sa mère qui va s'en prendre, mais la misère. Et pour l'avoir revue, parce que maintenant je le revois minimum une fois par an parce que je l'aime beaucoup, avec le temps, je la trouve particulièrement dure avec sa mère. Et tout en continuant de comprendre le personnage, mais plus dans le sens où, bah voilà, elle est jeune, elle vit un truc difficile. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher maintenant d'avoir le regard aussi adulte sur la situation. Et sa mère, elle fait vraiment tout ce qu'elle peut, quoi. Elle essaie surtout de joindre les deux bouts parce qu'ils ont une vie très compliquée. Et elle a quand même 2 gosses à gérer. Elle est incroyable, en fait. Mine de rien, je suis hyper admirative. Je vous répète, warning, c'est un film qui parle d'adolescence, qui parle d'ado. Mais déjà, je crois qu'il est interdit au moins de 12 ans, si je dis pas de bêtises. Et ne le regardez pas non plus si vous êtes dans une période difficile de votre vie. Genre si vous êtes très déprimé ou si ça va pas bien, parce que c'est pas, faut pas avoir ce mood là pour le regarder, faut vraiment avoir un bon recul ou ne pas être influençable, tout simplement. Et on va finir avec une note un peu plus joyeuse, parce que mes 2 films pour ados préférés sont 2 comédies. On commence avec un film avec Emma Roberts, qui d'ailleurs est dispo sur Netflix depuis pas longtemps, j'étais trop heureuse en l'apprenant. Il s'agit de Wild Child. D'ailleurs, je le connais par cœur tellement je l'ai regardé. Ça fait des années que je le regarde en boucle. J'adore ce film, je l'adore. On est sur un teen movie type comédie américaine, vraiment typique, mais avec une vibe et une subtilité un petit peu british aussi, parce qu'une bonne partie de l'histoire se passe en Angleterre. En gros, c'est l'histoire de Poppy, qui est californienne, et au début du film, on découvre un personnage vraiment... elle vit dans la bulle, elle vit dans sa bulle, quoi. Son père a de la thune, voilà, c'est une gosse de riche, superficielle, méchante. Enfin, elle a vraiment des fréquentations qui laissent à désirer. Elle se prend vraiment pour la reine. D'ailleurs, au début du film, on en fait voir de toutes les couleurs à son père parce qu'elle n'est pas d'accord. Parce qu'il veut ramener sa nouvelle copine à la maison, elle n'est pas d'accord. Elle va faire son show pour impressionner ses potes, son petit scandale. Vraiment un personnage détestable au début de l'histoire. Même si à côté, on découvre quand même qu'elle a un petit côté touchant et qu'elle n'est pas si bête au fond. On voit vraiment juste qu'elle est, voilà, elle est submergée par son mode de vie et par son âge et... par plein de choses. Et finalement, son père en a marre, il se dit, là ça suffit, Poppy, tu m'agaces, je t'envoie en pensionnat en Angleterre. Donc voilà, du jour au lendemain, cette gamine se retrouve à la campagne en Angleterre, dans un pensionnat pour filles avec des règles assez strictes, voilà, tout le monde porte l'uniforme, il y a des règles sociales, etc. Enfin voilà, pas du tout l'univers de Poppy. Et croyez-moi qu'elle n'est pas du tout heureuse d'arriver là-bas, et qu'au début elle va être très rebelle et qu'elle va tout faire pour pas s'intégrer.
Et voilà, après, on va suivre le cheminement de ce personnage, et je n'en dirai pas plus, mais amitié au rendez-vous, évolution évidemment très pertinente du personnage, également de la romance. Au niveau de l'humour, alors on est purement dans la comédie américaine, donc voilà, il ne faut pas vous attendre à ce que ça vole haut, mais c'est aussi ça qui est marrant. Mais après, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est pas juste une pauvre comédie américaine potache et fade, et qui est juste là pour faire marrer. L'héroïne a vraiment... une magnifique évolution dans sa mentalité et son caractère. Je mange en même temps, je suis désolée, mais en fait je vais bosser dans une demi-heure. Si je veux finir la vidéo et être à l'heure au boulot en même temps, il faut que je mange. Et ce film, il mérite vraiment d'être vu pour l'évolution de son personnage principal. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser, ce film. Il a vraiment, pour moi, un sens, un bon message et de bons sentiments à faire passer également. Donc là, pour le coup, on est sur un pur film pour ados, mais qui, pour moi, fait mouche. Et si la problématique et l'histoire vous intéressent, franchement, foncez, parce que c'est une pépite. Par contre, je le recommande en VO. Si vous êtes team VO, de toute façon, c'est sûr que vous le regardez en VO. Mais même si vous êtes team VF, à moins vraiment de ne pas avoir le choix, essayez de le regarder en VO, parce que la VF, ça fait perdre de sa qualité au film, je trouve. Avec Wild Child, mon film pour ado préféré. Alors là, on est sur un grand classique, je pense que vous l'avez quasiment tous vu. Si je vous dis Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, évidemment, Lolita malgré moi, bah oui, ça pouvait être que ça de toute façon. Faut savoir que ce film, pendant des années, j'étais très réticente à le regarder parce que l'affiche est toute rose bonbon, j'en doutais complètement le côté cliché américain une fois encore, c'est un truc qui me fait peur ça, que ce soit un film vraiment sans fond. Et puis à force d'entendre parler de ce film partout et tout le temps, je me suis dit bon allez, je vais tenter le coup. Clac, je n'ai jamais regretté d'avoir vu ce film, et c'est pareil que pour Wild Child, je le connais quasiment par cœur et je le regarde minimum une fois par an, ça c'est sûr. Il faut savoir que ce film a quand même été basé par rapport à un bouquin sociologique qui s'appelle Queen Bees and Wannabes. On en a fait une comédie américaine, mais c'est pour dire que ça se base sur un truc assez sérieux, entre guillemets. Donc voilà, c'est cliché, oui, mais il y a quand même un bon développement, il y a quand même du fond. Et une fois encore, c'est un film qui apporte des propos pertinents. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans un teen movie. À la fin du film, t'es content, tout simplement, t'es heureux. Ça te fait réfléchir un peu sur ta vie en tant qu'ado, ça te fait revoir certaines choses. Mais voilà, ça t'a fait du bien de le voir, t'as passé un super moment. Alors c'est l'histoire de Katie, qui est une jeune fille de 16 ans qui va faire sa première entrée au lycée de toute sa vie, parce que jusque-là, alors elle a grandi en Afrique avec ses parents parce qu'ils ont habité là-bas, et ensuite elle a fait des cours par correspondance, donc elle n'a jamais été à l'école de sa vie, et du coup elle va découvrir le lycée tout simplement, et elle va du coup se confronter à la réalité du monde des lycéens qui clairement est à des kilomètres de sa mentalité à elle. Les gens ne sont pas foncièrement gentils, non, ils vont pas foncièrement t'aider si t'es dans la merde. Non, ils vont pas foncièrement aller vers toi. Non, tu n'es pas spécialement libre d'agir comme tu le veux. Enfin, voilà. Et comme personne veut lui adresser la parole au départ, elle va finir par se lier d'amitié avec Janice. Donc une jeune fille au look un peu trash, mais qui vraiment est très rigolote. Et très franche aussi. Et son copain, il s'appelle comment déjà? Danny. Et en fait, elle va finir par faire la connaissance des plastiques. Qui sont les plastiques? C'est le groupe des trois meufs les plus populaires du lycée, tout simplement. Elles sont belles, elles sont riches, et du coup, à cause de ça, elles sont respectées, forcément. Un jour, Regina, donc, qui est la chef des plastiques, vraiment la queen of the queen du lycée, va approcher Katie. Et bon, je sais pas, elle va lui parler, « Oui, j'aime bien ton bracelet, c'est mignon, machin, tu devrais venir manger avec nous à midi, tiens. » Et du coup, t'as sa pote Janice qui lui dit, « Non, mais vas-y, vas-y, tu vas voir, va manger avec elle, ça va être trop drôle, comme ça tu pourras nous dire qu'est-ce qu'elles t'ont répété comme conneries, de quoi vous avez parlé, de maquillage, de machin, enfin voilà. » Du coup, Katie va aller à ce fameux déjeuner avec les filles, et en fait, elle se fait tout simplement... elle est limite recrutée de force dans la bande des plastiques, et du coup, malgré elle, elle va finir par les fréquenter. Elle a beau y entendre du mal de Regina, elle a été gentille avec elle, etc. Elle a été sympa. Du coup, voilà, elle rentre dans la bande sans se poser trop de questions. Elle se dit, bon, d'accord, on va voir ce que ça va donner. Tu vas voir comment Katie va rentrer dans ce monde. Tu vas toi-même découvrir un petit peu leur monde, etc. Et franchement, d'un point de vue sociologique, je trouve ça vachement intéressant. Alors oui, je parle de ce film comme si c'était genre un truc hyper sérieux et tout ça, mais non, ça reste une pure comédie américaine, voilà, il y a des gags, y a des moments what the fuck, ça reste très teenage, mais pour autant, voilà, pour moi c'est un film qui a du sens, comme je vous l'ai dit,
et qui a vraiment un intérêt. Pour moi, c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie, et que vous soyez garçon ou fille, attention. Pour moi, c'est vraiment un classique de la comédie pour ados. Il y a des scènes mythiques dans ce film, puis il y a des répliques, des dialogues, enfin voilà, des persos. Ce film, il est vraiment mythique et iconique sous bien des angles. D'ailleurs, c'est ce film-là qui m'a fait connaître Rachel McAdams, que depuis ce film, je l'adore. Et d'ailleurs, il est sur Netflix également. Si vous n'osiez pas le voir parce que le visuel vous fait peur, franchement, regardez-le, et après, venez me dire ce que vous en avez pensé finalement. Moi, ça avait été une super surprise, en tout cas à l'époque, et maintenant, clairement, c'est... Avec Wild Child, c'est mes deux teen movies incontournables, ça c'est sûr. Et je voudrais finir avec une mention spéciale à Netflix, parce que j'ai cité aucun film Netflix, mais je trouve qu'ils sont assez bons dans leur propre teen movie, en fait. Je pense notamment à Tous les garçons que j'ai aimés, évidemment, que j'ai adoré. Il y en a un où je sais plus le nom, mais en gros, c'est une ado qui va mourir et qui va en fait ressusciter le lendemain et revivre la même journée jusqu'à sa mort, jusqu'à temps qu'il se passe un truc, enfin voilà. Je trouve que Netflix, ils font vraiment de teen movies qui sont pas mal. Alors, il y en a qui clairement sont très oubliables, mais il y en a qui vraiment sortent du lot. Et en termes de teen movies de notre époque, je trouve que c'est eux qui produisent les meilleurs pour le moment. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je me dépêche parce que je fais très la bourre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez de bonnes vacances, même si je crois que je vais poster cette vidéo peut-être après les vacances, donc ça n'a pas de sens. Enfin bon, au cas où, bonne rentrée, voilà, on verra bien. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt.